Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. À nos abonnés, nous vous remercions de votre soutien. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez informé et notifié à chaque fois que nous publierons du nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 13 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon. Le début de l'évangile. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous accorder la compréhension. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus. Notre texte clé se trouve dans Marc chapitre 1 verset 14 et 15. Après que Jean eut été jeté en prison, Jésus vint en Galilée. Prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et disant, les temps sont accomplis, et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Chers auditeurs, l'évangile de Marc ne cite pas le nom de son auteur, mais la tradition de l'église primitive l'associe à Jean-Marc, compagnon de Paul, de Barnabé et, plus tard, de Pierre. Bien qu'aucun évangile ne nomme explicitement son auteur, ils sont liés à des apôtres ou à leurs compagnons. L'évangile de Marc, par exemple, est lié à Pierre. Dans cette leçon, nous explorerons le voyage de Marc, ses échecs initiaux et son rétablissement final, afin de comprendre pourquoi un missionnaire ayant échoué a écrit cet évangile. Voyons la leçon du dimanche, le missionnaire raté. Jean-Marc est présenté au verset 12 du chapitre 12 des actes des apôtres comme le fils d'une femme nommée Marie, qui est une riche supportrice de l'Église. Sa maison est le lieu d'une célèbre réunion de prière décrite dans Acte 12. Bien que Marc ne joue aucun rôle direct dans l'histoire de l'évasion de Pierre et de la mort d'Hérode, son introduction prépare le terrain pour son implication ultérieure avec Barnabé et Saul. Comment Jean-Marc s'est-il lié à Paul et Barnabé, et quelle en a été l'issue? Dans Acte 13, au cours du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé vers 46 après Jésus-Christ, Jean-Marc se joint à eux en tant qu'assistant ou serviteur. Cependant, au verset 13, il est noté qu'il retourne à Jérusalem. Le texte ne donne pas de raison précise pour son départ, mais il est suggéré qu'il était accablé par la peur et le découragement dû aux difficultés et aux dangers du travail missionnaire. Helen White mentionne que Mark n'était pas habitué à de telles épreuves et qu'il a été découragé par les périls et les privations, ce qui l'a conduit à se retirer de la mission. Le son du lundi. Une seconde chance. La question est la suivante. Pourquoi Paul a-t-il rejeté Jean-Marc et pourquoi Barnabé lui a-t-il donné une seconde chance Paul a rejeté Jean-Marc parce que Marc avait déjà abandonné la mission, ne poursuivant pas l'œuvre du ministère. Paul y voyait un manque de fiabilité, ce qui était crucial pour le travail missionnaire exigeant et périlleux. Barnabé, quant à lui, voyait en Marc un potentiel et pensait qu'il fallait lui donner une nouvelle chance, ce qui entraîna un vif désaccord entre Paul et Barnabé. En conséquence, Paul a choisi Silas comme compagnon, tandis que Barnabé a pris Marc. Le livre de Colossiens 4 verset 10 et celui de Philémon 24 nous donnent des détails sur le rétablissement de Marc après l'échec de sa mission. Ces passages indiquent une transformation significative de Marc. Plus tard, Paul reconnaît la valeur de Marc et le considère comme un compagnon de travail, demandant même à Timothée d'emmener Marc avec lui. En outre, la première pierre montre que Marc entretenait une relation étroite avec Pierre. Ces références, écrites environ 15 à 20 ans après l'incident d'acte 15, suggèrent que Marc a surmonté son échec initial, probablement aidé par la confiance et le soutien de Barnabé. Leçon du mardi, le messager. Marc chapitre 1 verset 1 à 8, présente Jésus Christ, Dieu le Père et Jean le Baptiste. Jésus est le personnage central de l'Évangile, tandis que Jean-Baptiste prépare le chemin pour lui en prêchant la repentance et en baptisant les gens. Les versets 2 et 3 mêlent des citations d'Exode 23, verset 20, d'Ésaïe 40, verset 3, et de Malachie 3, verset 1, qui ont tous en commun le thème d'un messager préparant le chemin. Ces références mettent l'accent sur le voyage, un thème clé dans l'Évangile de Marc, où le chemin de Jésus mène à la croix. Jean le Baptiste, présenté comme le prophète Élie, appelle à la repentance et parle de quelqu'un de plus puissant que lui, montrant ainsi son humilité et la haute estime qu'il a pour Jésus. Cela ouvre la voie au début du voyage et du ministère de Jésus, qui se déroulera dans le récit de Marc. Leçon du mercredi, le baptême de Jésus. Dans Marc 1 verset 9 à 13, Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain. Lorsque Jésus sort de l'eau, les cieux s'ouvrent, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe et la voix de Dieu déclare, Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Cet événement marque le début du ministère de Jésus, en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui affirme sa mission divine. L'importance du baptême de Jésus est reflétée plus tard à la croix dans Marc 15, où des éléments similaires reviennent. Après son baptême, l'Esprit conduit Jésus dans le désert. Dans le désert, Jésus est confronté pendant 40 jours à la tentation de Satan, aux animaux sauvages et au ministère des anges, ce qui marque le début de son ministère et de sa confrontation avec le mal. La scène d'ouverture de Marc présente Jésus comme un être à la fois divin et humain. Il est le Christ, plus puissant que Jean, le Fils bien-aimé sur lequel l'Esprit descend, mais il est aussi baptisé par Jean, poussé par l'Esprit, tenté par Satan, avec des animaux sauvages et assisté par des anges. Ces contrastes soulignent la double nature de Jésus, à la fois Dieu et homme, et mettent en lumière le profond mystère et la signification de son identité et de sa mission. Cette dualité invite les croyants à s'émerveiller de l'amour de Dieu et de la nature unique du Christ. Leçon du jeudi l'Évangile selon Jésus. Dans Marc, chapitre 1, versets 14 et 15, nous lisons ceci Après que Jean eut été jeté en prison, Jésus se rendit en Galilée, proclamant la bonne nouvelle de Dieu. L'heure est venue, disait-il. Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans ces versets, nous voyons trois parties liées à la prophétie, à savoir, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche et repentez-vous et croyez à l'évangile. Le temps est accompli fait référence à la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, qui trouve son accomplissement dans le baptême de Jésus et le début de son ministère. Cette prophétie, où un jour représente une année, a commencé en l'an 457 avant Jésus-Christ avec le décret du roi Artaxerxès de restaurer Jérusalem. 69 semaines plus tard, en 27 après Jésus-Christ, Jésus a été baptisé et a reçu l'onction du Saint-Esprit. Sa crucifixion a eu lieu trois ans et demi plus tard, et l'achèvement de la prophétie en l'an 34 après Jésus-Christ a coïncidé avec la lapidation d'Étienne et la propagation de l'évangile aux païens. L'étude de la prophétie des soixante-dix semaines renforce la foi en Jésus et la fiabilité de la parole prophétique, en démontrant la précision du calendrier et du plan de salut de Dieu. Cela permet d'approfondir la compréhension de la mission de Jésus et de renforcer la croyance en l'exactitude et la fiabilité de la prophétie biblique. Chers auditeurs, Il est fascinant de constater que le chapitre 14 de l'Apocalypse, versets 6 et 7, le message du premier ange, est parallèle au message de l'évangile de Jésus dans Marc 1 verset 15. Le premier ange apporte l'évangile éternel au monde dans les derniers jours, en préparation de la seconde venue. Le message du premier ange annonce le début du jugement précédent l'avant, qui a commencé en 1844 et a été prédit dans la prophétie des 2300 jours de Daniel 8, verset 14. Le jugement apporte le royaume de Dieu à son peuple persécuté. L'appel du premier ange à craindre, glorifier et adorer Dieu est l'appel à devenir disciple, lancé au monde dans les derniers jours. Alors que les puissances bestiales d'Apocalypse 13 présentent un faux Dieu à craindre, glorifier et adorer. Tout comme le message de Jésus dans Marc 1 est intimement lié aux prophéties de Daniel au début de la proclamation de l'évangile, le message du premier ange est également lié à Daniel à la fin de l'histoire de la terre. Nous devons comprendre notre mission pour aujourd'hui. Reconnaissant l'urgence et l'importance de l'époque dans laquelle nous vivons, nous devons embrasser l'appel à la repentance, à la foi et à la proclamation de l'évangile. Il est essentiel de mettre l'accent sur l'adoration et la révérence envers Dieu, en reconnaissant son rôle de créateur et de juge. En outre, nous devons vivre une vie transformée par le message de Jésus, en démontrant son amour et sa vérité aux autres. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à comprendre et à grandir dans votre relation avec lui. Amen.